Le moment d'envahir la capitale impériale est imminent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer nous allons commencer ce premier chapitre. On va continuer notre aventure, évidemment, comme tous les épisodes. Ça fait 265 épisodes, donc c'est le 266e que nous faisons ça. Donc il n'y a pas de... Concrètement, il n'y a pas de nouveauté, quoi. Le moment d'envahir la capitale impériale est imminent, nous dit Claude. Nous ne savons toujours pas où est Rhea, mais si elle est en vie, elle se trouve probablement à Anbar. Espérons qu'on la retrouvera sans trop de difficultés. Nous devons la secourir rapidement, je me demande si elle est encore en vie. Ouais, il parle de Rhea, j'ai bien... Ouais, c'est ça. Hein. Nous devons la secourir rapidement, je me demande si elle est encore en vie. On va faire ça, hein. Certes, mais si nous n'agissons pas avec prudence, il risque juste de la transférer ailleurs. Vous devez avoir hâte de la revoir. Pour le moment, je veux juste la secourir. Eh bien, si tel est votre souhait, je ferai de mon mieux pour qu'il se réalise. On veut juste savoir ce qu'elle fait. Mais nous allons affronter Edelgard cette fois-ci. Ce ne sera pas simple. Mais j'ai pas envie d'affronter Edelgard non plus. Ça me saoule. Notre prochaine destination sur la capitale impériale, que de chemin nous avons parcouru. Qu'est-ce que vous racontez? On est à Garagmak, de retour à la case départ, quoi. Ce n'est pas au sens propre, Raphaël. C'est d'un point de vue symbolique que je parlais. Mon profond désir de protéger l'Alliance m'a conduit jusqu'ici, il continuera à me porter. Je suis certain que chacun de vous possède ses propres raisons de se battre. Bien sûr, je comprends que la guerre ne prendra pas fin avant que nous ayons vaincu l'Empire. Et le moment est à présent venu de marcher sur la capitale impériale pour renverser l'Impératrice. Cela fait réfléchir, pas vrai? Nous avons tous des différentes origines, différents objectifs et différentes aspirations. Grâce à ces deux-là, nous avons été capables de nous réunir et de surmonter toutes sortes d'épreuves. Faites référence à Claude et au professeur, je présume. Même au sein de nos troupes d'excentriques, ces deux-là sont vraiment singuliers. Oh, tu as donc parfaitement conscience d'être excentrique. C'est juste une manière de parler. Et puis, le sujet de la conversation, là c'est le Claude et le professeur. Ils sont comme le vent et un arbre. Hein? Claude est notre professeur. Qu'est-ce que tu racontes? Et qui ce serait quoi au juste? Si nous comparions à des oiseaux, alors eux deux seraient comme un arbre et le vent. Le professeur est un arbre majestueux qui nous accueille et veille sur nous quand nous sommes perchés sur ses branches. Et Claude est comme le vent qui nous pousse vers l'avant alors que nous volons à travers le vaste ciel. La métaphore du professeur se tient, mais je trouve que Claude nous ballotte souvent comme une bourrasque. Cependant, on lui doit beaucoup. Mais moi je trouve ça très joliment dit, Marielle. Je peux tout à fait m'imaginer la scène. Une fois cette guerre terminée, j'aimerais beaucoup les représenter tous les deux sur un tableau. Oh, avec aussi tous les gens avec qui nous avons combattu ensemble. Une sorte de peinture historique, tu veux dire? Je me demande si nos descendants l'admireront encore dans des tas d'années. Je dois admettre que cela pique ma curiosité. J'ai hâte de vous voir dépeindre mes vaillants efforts. Vu cet angle, assiste peut-être à l'un des plus grands événements de l'histoire de Fodland. Absolument. C'est une grande responsabilité, mais le sentiment du devoir à accomplir est plus fort encore que la peur. Je suis bien content d'être là avec vous tous, et j'aurais pas peur quoi qu'il nous attende. C'est sûr, tu restes à la cuisine. Notre objectif est en bas, la capitale impériale. Il est temps de nous mettre au travail. Yop. Mardi 2. Qui est-ce donc? Vous aimeriez savoir comment va Yuri? Vous aimeriez savoir comment va Yuri? Je sais pas pourquoi. Voulez-vous lui rendre visite? Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit n'importe quoi. Je crois que je n'ai oublié personne. Je vous dérange? Non, j'ai terminé. Vous avez besoin de quelque chose, mon ami? C'est ça que vous avez terminé? Ah, ça. Un petit carnet. J'y écris les noms de ceux que j'ai perdus au fil des années. Beaucoup d'entre nous ont péri pendant la guerre. Certains venaient d'intégrer ma bande, d'autres, je les considérais comme ma famille. Pourquoi écrivez-vous leurs noms? Alors, ce que vous écrivez dans votre vieux carnet. C'est ce que j'écris dans celui-ci. Mon vieux carnet me servait à m'entraîner à l'écriture à l'époque. Et puis je lui ai trouvé une autre fonction. Un jour, je me suis dit que je devrais écrire les noms de ceux que j'ai perdus. Ce que je n'ai pas réussi à protéger. On ne peut pas faire grand-chose pour les morts, pas dans ce monde, en tout cas. Et c'est pas comme si on savait ce qui se passe après. Alors, inscrire leur nom ici, c'est juste pour moi. Moi, qui suis encore vivant. Après tout, ils méritent qu'on se souvienne d'eux, mais ils ne sont plus là pour le voir. Nous partageons tous le même rêve et ils sont morts en essayant de le réaliser. J'étais leur chef, et en tant que tel, j'ai le devoir de préserver leur mémoire. C'est un très beau geste. Oh, vous le pensez vraiment? Moi qui croyais que vous me voyez comme un salvorien. Pas du tout, Yuri.
Bref, pensez ce que vous voulez de mon carnet, je m'en fiche après tout. Si vous mourrez avant moi, je m'assurerai d'ajouter votre nom à la liste. Vous voulez inscrire mon nom dans ce carnet? Mais je n'appartiens pas à votre bande. Ouais, plutôt. Vous ne faites peut-être pas partie de ma bande, mais je dois bien avouer que je peux compter sur vous. J'ai le sentiment que si je reste à vos côtés, le rêve que je cherche à atteindre deviendra de plus en plus réel. Alors faites-moi plaisir et restez en vie, d'accord? Seulement si vous en faites de même. Ah, celui qui m'éliminera n'est pas encore né. Mon ange gardien est particulièrement efficace. Voilà, vous avez perdu votre langue. On dirait que vous avez envie de dire quelque chose, mais que vous ne savez pas comment. Vous parlez de nom, mais j'ignore le vôtre. Eh bah oui, bim. Encore cette histoire de nom. Vous ne renoncez jamais, hein? D'accord, je vais vous faire une confidence. Mon nom actuel n'est pas mon vrai nom. Ah ah, mais celui que je porte depuis que je suis à l'académie. Celui qui me lie à la maison Rowe en qualité de fils adoptif. D'ailleurs, la dernière personne à avoir prononcé mon vrai nom, c'était ma mère, il y a très longtemps. Qui sait, peut-être qu'un jour, je vous le dirai. Ben, j'espère bien. Vous le découvrirez peut-être si vous continuez à m'aider à poursuivre mon rêve. Yori, je prends note. On atteint le niveau de soutien A. Sylvain, fête son anniversaire. On peut pas prendre Claude et Yori. Les deux d'un coup. Il y a trop là. Alors, se reposer, bataille, séminaire, qu'avons-nous? Fait plein d'anniversaires. Quartier libre. On peut faire un quartier libre, on attend le prochain peut-être. Séminaire, ça sert à rien. Fait bataille. Il y a quoi comme bataille? Ouais, il y a encore que des batailles comme ça. C'est niveau 37. Honnêtement, je crois que j'ai pas besoin de faire de bataille là. Enfin, si je pourrais. Je pourrais faire des batailles, hein. Je fais des batailles, je fais les niveaux. Sur la boutique d'Anna, j'en ai des exagérations. C'est mieux de faire la bataille là, non? Avec la journée des exagérations. On va faire un quartier libre du coup. Ouais, on va explorer le monastère. On va aller parler un petit peu à tout le monde, faire les soutiens s'il y en a. Il y en a quelques-uns, donc on va les faire. Ah, on est carrément niveau S avec Byless. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Shamir Aloïs, tiens. Écoutez, Shamir, je voulais m'excuser pour notre conversation de la dernière fois. Je me suis vraiment ridiculisé. Pas la peine, ça ne m'a pas dérangé. Je souhaitais juste clarifier quelque chose. Les missions que j'accomplis en tant que chevalier ne me posent aucun problème. Je suis déterminé à mener à bien toutes les tâches que l'on me confiera. Je sais, vous êtes loyal à votre service plus que quiconque. Et vous n'êtes pas un lâche. Un autre truc qui serait intéressant, j'y pense, en voyant le décor là qu'on voit pas beaucoup... dans Three Hopes, on reverra Faudelan, mais sous un autre angle finalement, au niveau du champ de bataille. Parce que dans les Warriors, c'est quand même bien plus ouvert en termes de map, et on n'est pas sur la même perspective, donc on devrait avoir un nouveau regard sur Faudelan, et ça sera intéressant, je pense. Voilà, ça m'a juste fait penser à ça en voyant le décor que l'on voit rarement de ce point de vue-là, en fait, je réalise. Et vous n'êtes pas un lâche, si je crains d'être un peu lâche, justement. Chaque nuit, je me couche dans la peur de fantômes qui n'existent pas. J'aimerais être aussi fort que vous, mais je dois me rendre à l'évidence de ma faiblesse, je ne peux rien y faire. Vous n'êtes pas faible, vous êtes bon. Voilà pourquoi vous songez aux vies que vous avez prises, et même plus que de nécessaire. C'est quelque chose dont je suis incapable. C'est parce que votre cœur est bon que tout le monde vous apprécie. Shamir, les fantômes de votre passé font partie de vous. Acceptez-les. Mais ne les laissez pas vous miner, le cafard est contagieux, vous savez. Oui, vous avez raison. Je dois rester positif. Aloïs, le bout en train, est de retour. Cette capacité à reprendre du poil de la bête plus vite qu'il ne faut pour le dire, et toute cette énergie. Autant de qualités que je n'ai pas. Je suis sûr que sa force de caractère a redonné espoir à plus d'un qui l'aime. Notamment une certaine mercenaire dagdanienne qui tâchait de trouver sa voie en pays étranger. Elles se connaissent depuis bien avant, du coup, peut-être.
Shamir, vous traînez. Activez-vous. Ça par contre, c'est un aspect de son caractère que je ne lui envie pas. Ça, c'est de l'admiration, ma chère Shamir. Encore Aloïs, bah dis donc. Hey, Aloïs, racontez-moi encore une anecdote sur le capitaine Gérald, voulez-vous? Oh, je vous en ai déjà raconté tellement. Mes réserves d'anecdotes ne sont pas infinies, vous savez. Cela dit, j'en ai bien une en tête. Figurez-vous qu'un jour, le capitaine a bien failli me tuer. Hein? Qu'aviez-vous donc fait? Rien de bien spécial, c'est justement ce qui rend cette anecdote aussi cocasse. Nous étions attablés dans une auberge quand soudain les clients se sont réunis autour du capitaine. Ils commencèrent alors à lui demander de faire démonstration de ses talents. Ah, je vois le genre. Il pensait que la boisson n'aurait aucune incidence sur la précision de sa main. Exactement. Il avait une hachette à la ceinture et il voulait qu'il lance sur une cible. Une hachette? Ça aurait été sûrement trop simple avec une dague, hein? Oui, en effet. Le capitaine me demanda alors de poser une pomme sur ma tête et de me tenir debout un peu plus loin. Ah, il voulait faire tomber la pomme, c'est ça? Absolument, seulement voilà, il rata la pomme et il s'en fallut de peu pour que la hachette la tienne en pleine ma poitrine. Si je n'avais pas réussi à l'esquiver, cette auberge serait devenue mon tombeau. Génial. Cela ne m'étonne pas, faut dire que le capitaine faisait parfois preuve de maladresse. Oui, les nombreuses blessures qu'il a subies ont amené quelque peu sa dextérité. Ah, c'était pour ça. Je me souviens juste l'avoir entendu qu'il n'était pas doué pour les travaux minutieux. Quoi qu'il en soit, un épice est d'exception, ce cher Gérald, cela ne fait aucun doute. À vrai dire, même avec sa hachette, je n'ai jamais vu manquer sa cible sur le champ de bataille. Ah bon, bah alors, c'est étonnant qu'il ait raté cette pomme. Oui, je viens de me rendre compte en le disant. Il n'aurait pas dû viser si mal quand il a lancé sa hachette vers moi. Peut-être qu'il vous en voulait secrètement? Je ne sais pas, s'il avait vraiment voulu m'éliminer. Ah, mais non, il devait savoir que vous sauriez esquiver. S'amuser à l'auberge, puis se comporter avec un sérieux impassible sur le champ de bataille, c'est tout à fait lui, vous ne trouvez pas? Oui, un excentrique de première, c'est certain. Vous me faites parfois penser à lui, Léonie. Enfin, il a quand même failli tuer, quoi. Ça t'a pas mal de le prévenir, quoi. Pas d'autre soutien. On va aller parler aux élèves. Trouver des informations, rassembler les provisions. On a des trucs là-haut. On va commencer par là. On a qui? Léonie, Seth, Hanneman, Flayn. On va aller parler à ces trois loustiques. Bam, 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 bam. Par où ils sont? Il y en a juste là. Le man. Les rues d'Ambar sont pavées de tristes souvenirs, professeur. J'ai évité cet enfer depuis que j'ai abandonné ma noblesse. J'ai juré ne jamais y remettre les pieds. Et pourtant, nous y voilà, y revenir ainsi. Disons que je ne l'aurais jamais imaginé. Fais-moi les exercices, tiens. Un peu plus en science. Merci bien. Attendez, il y a quelqu'un là-bas. Le combat constitutif sera dur. Dame Rhea est très certainement confinée dans le palais impérial. Si c'est le cas, notre stratégie devra consister à contrôler les rues puis attaquer le château. Un combat de rue suivi par l'assaut d'un château, deux combats de taille consécutives. Ce sera difficile, mais nous devons réussir pour Dame Rhea. Flayn, c'est vraiment tragique. Je suis né à Ambar, mon père et ma mère se sont rencontrés dans une église là-bas. Je suis venu au monde peu après. Je peine à croire que la guerre se soit propagée jusqu'à cet endroit si cher à mon cœur. C'est vraiment tragique. C'est tragique, ouais. Donc, c'était ça, rencontrer la mère de Flayn là-bas, du coup. Hein. On a Léonie ici et c'était de l'autre côté. Ok. On va enfin à la capitale, je vais pouvoir venger le capitaine Gérald. Quand on aura écrasé l'Empire, je suis sûr que son âme trouvera la paix. On ne peut pas l'affirmer, je pense que vous avez raison. Monica a assassiné le capitaine Gérald pour l'Empereur des Flammes et l'Empereur des Flammes, c'était Edelgard. Je sais que l'avenir de Fodland dépend de cette bataille, il n'y a rien de plus important. Mais pour moi, c'est personnel. En l'honneur du capitaine Gérald, je vais me surpasser. Très bien. Très bien, Léonie. Rhea doit se trouver quelque part dans la ville. Je me demande si elle ressent notre arrivée. Si nous parvenons à la secourir, vous apprendrez certainement nombre de choses qui ont été cachées jusque-là. Mais êtes-vous prête à les entendre? Parfait. Le combat est proche, soyons tous deux prêts à faire face à ce qui nous attend. Tiens, dis-moi du Wyvern. Hop, merci. Hop, là y'a rien, la cathédrale. On va s'y rendre gentiment.
Sauver le peuple de Faudelan, je fais ce que je veux. Depuis ma plus tendre enfance, on m'a appris que la doctrine de Seiros était l'ordre naturel des choses. Le remettre en question ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais Claude et Edelgard sont différents. Ils bravent les normes, ils les défient même. Il est déstabilisant de rejeter nos acquis, mais c'est une qualité essentielle des visionnaires. En effet, l'excellence doit de surpasser le sens commun. Ce n'est pas mal du tout. Je devrais le noter. Monsieur se la pète toujours, à ce que je vois. Dorothea. La capitale entière va faire office de champ de bataille. La valeur historique de la ville est importante, mais peut-être mérite-t-elle d'être réduite en cendres cette fois-ci. Bonjour. Cependant, nous devons épargner les civils, essayons de limiter les dégâts à la partie noble de la ville. Bam 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 bam. Il y a une demande de conseil. C'est Aloïs, j'aimerais devenir meilleur cavalier avant le prochain combat. Comment m'y prendre? Je vous demande parce que moi, je sais pas y faire, à cheval. Fallait s'y prendre avant, c'est trop tard maintenant. Gratouiller leur encolure, car qui s'y frotte, s'y pique. Je vais faire comme si je n'avais rien lu. Ah, ça lui va, ça. Ça lui va, forcément. Forcément. Il aime bien les petites blagues. Il y a un paquet de rumeurs vous concernant dans l'Alliance. Certains disent que vous êtes la nouvelle incarnation de Satsairos. Le code de popularité de Claude a aussi augmenté. Un peu. Ok, cool. Le moine, qu'est-ce qu'il nous veut? Saviez-vous qu'un superbe canal traverse le centre d'Anbar, la capitale impériale? Il aurait été construit sous la direction de Saint Seiros avant même la formation de l'Empire. Depuis lors, ce canal est une artère essentielle au développement de la capitale. Et voilà comment l'Empire la remercie en mordant la main qui la nourrit. Ouais. Alors, je suis pas la nouvelle réincarnation de Saint Seiros. Hein. Saint Seiros est toujours... C'est toujours Rhea. Moi, je ne suis seulement l'incarnation de Sotis, la déesse. Voilà. Mais c'est tout, hein. Vraiment rien de plus. Qu'est-ce qu'on a là? L'armée impériale est maintenant divisée et une partie des troupes peut rester à l'ouest de Faudelan. Si elle n'assoit pas leur autorité sur les seigneurs du royaume, ils risquent de devoir faire face à une révolte. Ironiquement, dès qu'on aura conquis la capitale impériale, les seigneurs du royaume se soulèveront certainement sans attendre. Oui, évidemment. Sur la pierre tombale, on peut lire Citri Eisner, 1139-1159, Gérald Eisner, 1180. Reposez en paix, bercé par vos souvenirs chaleureux. Byles Eisner, du coup. Très bien. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Triste. Triste d'être enterré, quoi. Pas à côté l'un à côté de l'autre. Sylvain. À Anbar, la capitale de l'Empire, nous y voilà. Je pensais mourir avant cet épisode. Non. C'est un combat comme un autre. Restez calme, concentré. Ne cédez ni à l'ennemi, ni à la peur. Vous semblez plus sérieux que d'habitude. Et je suis toujours sérieux. En amour comme à la guerre. Toujours sérieux, c'est ma nature. Renverser l'Empire sera mon cadeau à son Altesse. J'ai quitté l'Empire, qu'est-ce que je raconte? Oui. Tu as quitté l'Empire, oui, absolument. Tu as quitté le Royaume, également. Toujours bugué, hein. Il y a 10 ans, Dagda et Brigid ont attaqué l'Empire par l'Ouest. Leur objectif était la capitale, mais ils ont été repoussés dans une ville portuaire, bien avant d'atteindre leur destination. On peut donc dire que notre tentative a mieux réussi que la leur, toute considération faite. On peut dire ça. Je crois que la lutte touche à sa fin. Je suis certaine que Dame Rhea n'attend qu'une chose, que j'apparaisse comme par magie pour la sauver. Probablement. Ah, je blague, faites pas attention. Je sais bien que Dame Rhea ne m'attend pas, même si j'aimerais que ce soit le cas. C'est vous qu'elle attend. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'attend pas non plus. Ou qu'elle ne sera pas ravie de te voir. Hop, il faut que j'en garde un pour le repas. Et à envahir la capitale, renverser l'Empire, je demande si cela suffira à terminer la guerre. Qu'en pensez-vous, professeur? J'en sais rien. Il semblerait que nous partagions les mêmes doutes, tout ceci me perturbe grandement. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur la bataille qui nous attend. Il y en a 5. Eh mais on sait pas, parce que derrière, il y a tout le royaume qui peut se révolter, une partie de l'Alliance qui veut faire je sais pas quoi. Nous sommes sur le point de mettre un terme à ce conflit, je me demande comment sera Faudelan sans la mort
La destruction en toile de fond, j'ai hâte de le voir. Mais je suis aussi terrifié par l'avenir, qui sait si je vais même survivre à l'assaut de la capitale. Ne t'inquiète pas. Sotis veille sur vous. Ambar, jamais je n'aurais imaginé la retrouver dans de telles circonstances. Bien sûr, la plupart des nobles de l'Empire font leur vie dans la capitale. Dans le royaume, chacun vit son propre domaine, alors si le capital est attaqué, si la capitale est attaquée, cela ne les affecte pas toujours directement. Que vont faire les nobles de l'Empire lorsque la capitale sera transformée en champ de bataille? Eh bien, bonne question. Nous ne savons pas. Eh bien, moi, oui. Bah non, on sait pas non plus. H, c'était encore là, toi. Ces choses sont apparues dès que nous nous sommes établis au sein de Fort Mercius. Imaginez ce qui serait arrivé si elles nous avaient attaqué pendant la bataille de la Plaine de Grandeur. Enfin, si elles sont bien l'œuvre de l'armée impériale. Mais on serait tous morts, hein, tout simplement. Hop. Attendez, on va se téléporter, ce sera plus rapide. Ingrid, Mercedes. Abyss. Il n'y a plus Baltheus. Félix dit toujours rien. Baltheus est ici, c'est étrange de le voir là. On a notre ami Claude. Enfin, notre ami. Notre cher Claude. Ça y est, c'est le moment du combat final contre l'Empire. La lutte a été longue et difficile. Nous devons retrouver Damrea et nous devons mettre l'Empire à genoux pour le Capitaine Gérald. J'ignore ce qui nous attend, mais on peut s'occuper des détails plus tard. On va aller voir le garde. Eh bien, bien le bonjour, professeur. Comme d'habitude, rien à signaler. Le moment de la bataille finale approche, pas vrai. Même moi, je commence à sentir l'attention. L'histoire d'Ambar remonte à 1400 ans. Ça date d'avant la création même de l'Empire. C'est un site sacré de l'église de Syros, alors c'est un lieu d'importance. Bref, ne vous séparez pas du monastère pendant le combat final, c'est mon boulot. Je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Merci. Merci bien. Claude était là-haut. La 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 la. Où es-tu, Claude? Cela fait longtemps que je ne me suis pas rendu à la capitale impériale. On y retrouve un opéra que j'avais l'habitude de fréquenter avec ma mère et mon frère. Rips, Jiritsa, je ne pensais pas y retourner dans les telles circonstances. Mais il est où ce comte, Claude? Là, ok. Je pensais pas que c'était la même zone. Mon ami, les renforts des seigneurs se rassemblent enfin. Je dois le dire, le fort Marceus aurait constitué une bien meilleure base d'opération. Et cette étrange colonne de lumière complique nos affaires. C'est effrayant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Phénomène magique, un phénomène naturel, la colère de la déesse. Mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, il faut agir avec prudence. Je me demande d'où il émane. Mais inutile de perdre notre énergie en conjecture, préparons-nous plutôt pour la suite. La capitale construite constitue le cœur de territoire d'Edelgard, alors elle aura l'avantage de combat selon difficile. En effet. Il y a une porte. Ouais. Bah écoutez, on va aller au réfectoire. On va se faire un petit repas. On va mettre Yuri. Faire charme plus 2. Charme plus 2, c'est pas mal. Ça permet de faire de la... l'esquive. Vous avez bien fait de faire appel à moi, je suis très doué pour la cuisine. Ça n'aurait pas été mon premier choix, mais bon, avec le bon de l'assaisonnement, on devrait pouvoir en faire quelque chose de mangeable. Je l'ai déjà fait la dernière fois avec lui, je crois. Merci bien. Double cœur. Hop. Bonjour Marianne. Si nous gagnons la guerre, alors Claude sera le roi de Faudelan et peut-être fera-t-il tomber le mur qui nous sépare du monde extérieur. C'est possible. Difficile à imaginer, je sais. Mais j'espère vraiment qu'il le fera, ce serait tellement mieux si tout le monde vivait ensemble. Peut-être que dans le monde que Claude imagine, je pourrais même avoir une vie normale. Pourquoi pas. Si c'est ce que tu souhaites. Professeur, ma mère est peut-être dans la ville.
Je me rappelle peu d'elle en fait, mais je tiens plus à elle qu'à mon père. Si vous la voyez, faites en sorte qu'elle ne se retrouve pas mêlée au combat. C'est une simple employée, alors j'espère qu'elle restera à l'intérieur pour ne pas inquiéter sa nadette. Bah écoute, oui. Peut-être bien. Ou pas. Ambar s'appelait autrefois la cité de Seiros, la Seir avec l'ordre relève de l'Ineronie. Si Seiros était encore en vie, que penserait-elle de notre combat? À Ambar se trouvait autrefois une église australe, on dit qu'un évêque y aurait été envoyé. Il y a un siècle, l'église australe serait retrouvée empêtrée dans une injonction. Jusqu'à il y a 5 ans, pardon, l'Empire et l'Église ont maintenu des rapports assez froids. Ouais. Ce document décrit les meilleures techniques pour inciter le poisson à mordre l'hameçon qui eut cru qu'il fallait en savoir autant pour pêcher. Hop. Sona. C'est bien le sona. Hop. Ça du sauna, nous allons y aller avec Claude. Pin, pin, pin. Plus de vapeur. Plus de vapeur. Tintin. On va rester. Balèze, tu fais chier. On va rester. L'unité entre les deux unités. L'affinité entre les deux unités a augmenté. Claude se sent bien. Rester plus longtemps n'aurait pas fait de mal. Ouais. Mais pauvre Claude, il aurait crevé de chaud. Cordelia a pris le contrôle de la capitale royale et a ensuite formé le duché de Fergus, remplaçant ainsi l'ancien royaume. Cependant, Fergus est pour le moment contenté d'observer nos actions. Enfin, ce n'est pas si surprenant quand on voit qu'ils ne sont même pas capables de contrôler le territoire de Faldarius. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à faire à l'Abyss? On peut aller voir Yuri qu'on s'en sait happy, mais ça va pas faire grand-chose, je pense. On va descendre quand même. On va quand même y aller, histoire de... voir si je peux pas utiliser aussi les points pour acheter je sais plus quoi là s'il faut. En plus il manquait un truc. Est-ce que j'ai les 2000 points? Je ne sais pas. Ta-na-na-na-na. Oh. Le pari est fort audacieux d'entreprendre la destruction des murs qui séparent Faudland du monde extérieur. J'ai œuvré si longtemps à la restauration du passé que le projet visionnaire de Claude révèle mon manque d'ambition. Pensez que j'étais sérieuse. Je ne suis pas ceux qui admettent leur faute. Il n'existe guère de tâche plus noble que celle de pérenniser la tradition de la maison Nouvelle. Ouais. Toi, je t'aime pas. Je ne connais pas bien les Almirois, mais on dirait que j'ai un point commun avec eux. On est considérés comme différents à cause de nos origines. Il doit y avoir beaucoup de gens comme nous. Il y en a beaucoup. C'est bien ce que je pensais. Les gens du nord, de l'ouest et même des communautés isolées de part et d'autre Faudland. Et c'est le cas, alors Clo-Clo a sans doute raison. 40, tu l'appelles Clo-Clo, quoi. Plus de respect. Hein. Le notable, voilà. Est-ce que je peux acheter? Ouvrez la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai pas assez de... J'ai mal de les avoir, les 2000. D'où Yuri joue. Claude est un idéaliste, n'est-ce pas? Enfin, je ne suis pas très bien placé pour dire ça. Ses ambitions sont nobles et périlleuses aussi. Au moindre faux pas, c'est tout Faudland qui s'écroule. Ceci étant dit, il faut parfois une bonne dose d'idéalisme et de folie pour changer le monde. Tiens. Je suis sûr que ça te plaît pas, mais c'est un cadeau. On n'a rien d'autre, hein. La bibliothèque, mais... Il y avait la taverne, voilà. On peut aller voir le monsieur. La progression en def est superbe, ses caractéristiques augmentent sans cesse. Ses talents sont impressionnants, elle peut être fière de ce travail accompli. Bon, en même temps, on est quand même pas mal. Hein. La progression en tech est superbe, son potentiel est au moment dévastateur, ses talents sont impressionnants, elle peut être fière du travail accompli. Ok.
Caractérise ça et en constante amélioration, c'est possible. Donc ces chances sur quelle matière se concentrer. Ok. Ok, on s'en fout. Ouais, bon. En même temps, il sert à rien. Ici, c'est à. La progression en défense est superbe. Ses caractéristiques augmentent sans cesse. Ok. Les rouges et les bleus, c'est ses talents et. Ok. Très bien. Oh, bon, il l'a en même temps, je l'ai pas joué, donc c'est logique. Un B, ouais. Ouais, pareil. Bernatal devrait être en A, non? Ouais. Dorothea, ouais, elle est clairement en A. Hein. Yes, indeed. Bon, IQ. H aussi. Sylvain. Un D. Mercedes. Ah merde, j'ai pas vu. B. Annette. D, ouais, c'est logique. B. Logique aussi. Ok. Flynn, elle a que dalle, ouais. Elle a que dalle. Hanuman. C'est pire que tout. Ok. Loïs, il gagne un peu, c'est logique. Bon, Shamir, elle est pas en A. Je comprends plus. Hein. Alors, en B. Attends, c'est honteux. Ouais, ils sont tous en E. Yuri. T'es en C, Yuri? Attends, il carry tout le monde. Baltaïus est en B. Ok. Bon, happy. Ah, voilà. Je me disais, ça commençait très très mal. Et puis, bam, 5 étoiles partout. Bon, nous, on est quasiment 5 étoiles partout. On est en S tier, là. Bah bon, très bien. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.